Moi, héros indépendantio, qui te goumen en Vertière, qui fait Vertière était un lieu mémorable et c'est un plus gros symbole pays en gagné. Et où ça yo, te goumen, yo te sacrifié vie yo pour que yo te ban nou yon nation, yon pays en héritage. Le message président, il rappelait bataille qui était faite pour te ban nou bout de ça. Bataille-là te consiste dans casser chaîne esclavage, gommer contre colonialisme. 215 ans après, bataille ça est finie. Très certainement, combat a de continuer, mais sur une autre forme, avec de nouveaux objectifs. Parmi les objectifs, nous devons continuer à gommer contre sous-développement. C'est essentiel, message président. Continuer à gommer contre misère. Et ça a tombé. D'aplomb, ça tombe à propos, nous devons continuer contre blackout, d'où présence Dr. Calix ici, pour partager avec nous dernière évolution en matière de politique publique qui va l'appliquer concernant l'énergie dans le pays. Président lance appel à tout le monde pour collaborer et coopérer pour que nous ensemble qui fait pour nous capables de gagner dans l'autre pays. Et un pays côté la fière de lui. Et un pays côté toute petite lit, femme, garçon, quel que soit camp politique là, au-delà de tout clivage politique, nous devons mettre ensemble pour que nous fassions pays ça et héros indépendants soient fiers que nous délégué nos nations ça. Pendant la journée hier là, pour marquer date là, le président a choisi de faire une offrande florale dans le Mupana. Bon côté, il a un chef gouvernement. Avec même gouvernement de cabinet ministériel là qui accompagne dans le cadre d'offrande florale ça pour honorer héros indépendantiaux, surtout les héros de Vertière. Parallèlement dans le pays, il y a plusieurs activités politiques qui sont organisées. Je vais parler de manifestations qui étaient faites. Suivant l'information qui est disponible et des victimes qui ont enregistré plusieurs côtés dans la capitale là. Moi qui ai le soin. Alors, à travers la République de préférence. Donc, tant qu'on a la capitale là et l'autre côté dans le pays. Pour quitter le soin à la police pour bailler précision en termes de bilan sur victimes, donc, les gens qui sont morts et les gens qui sont blessés. Manifestation, il y a plusieurs qualités objectifs. Et on a d'ailleurs, il y a des gens qui ont demandé pour une rédition de code qui fait. Même si ça a été fait déjà, le gouvernement a continué à prendre en considération les revendications qui concernaient le type de politique publique qui a appliqué dans le pays pour nous continuer à avoir une réponse en termes de reddition de comptes. Et le gouvernement qui même là a déjà posé plusieurs actions qui allaient dans ce sens-là. Il y a d'autres qualités de revendications dans la rue. Des revendications politiques, batailles politiques, a fait sous plusieurs formes. C'est toi, monde qui a goûté sur le plan politique pour chercher conquérir espace. C'est toi, tout autorité qui a responsabilité dans l'État pour bailler réponse en termes de disposition qui peut prendre pour que nous contrôler, nous continuer à contrôler le territoire. Nous condamnons, je parle dans nos gouvernements, toute qualité de violence qui fait. Dans l'activité politique qui était gagnée dans la journée 17 au 18 novembre. Là. Kit, c'est attaque qui fait contre la vie moun. Kit, c'est attaque qui fait contre bien moun qui part dans la manifestation. Journée lundi a levé avec une certaine paralysie pour plusieurs côtés dans le pays. Nous avons fait une communication sur du concret. Nous reconnaissons qu'il y a une certaine paralysie dans plusieurs pans d'activité. La police instruit dans ce qui concerne les compétences pâles pour que qu'ils prennent toutes dispositions pour faciliter la circulation, retourner dans le pays, dans déblayer la rue, débloquer les zones qui sont embouteillées. La police instruit tout pour traquer tout le monde qui a décidé de faire attaque sur paisibles citoyens qui ont circulé sur voie publique là ou bien qui l'a caillé, mon a attaqué, tant que ça a fait plusieurs côtés. Activité politique, c'est un droit que tout le monde gagne.
Nous souhaitons que les réponses politiques qui baillent à revendications politiques permettent pays à continuer à marcher et permettent pays à continuer à fonctionner. Pendant la journée hier, il y a des gens qui n'ont pas de bonne intention qui vandalisent une équipe œuvre d'art qui se travaille. Artistes résistants ont été gagnés dans la zone Mupana avec la zone Kios Oxygenti. Le ministère culture et communication dénonce ces actes. Et nous prenons toutes mesures pour nous récupérer le tableau artiste qui a une valeur. Puisque y a une œuvre d'art dans tout le pays du monde qui a une valeur. Et dans le même sens, dans tout le pays du monde, l'hôpital, Croix Rouge, la presse, le musée méritent protection de la part de monde qui. Dans la bataille politique, même pour les gens qui ont goûté à examen la guerre, l'institution nous a dit là, ils ont mérité protection. C'est peut-être ça, une fois encore, nous dénonçons ce qui passe là. Et le ministère a pris toute disposition pour être capable de récupérer œuvre d'art artiste. On dit bonjour à tout le monde de la presse et qui est là matin. Nous allons essayer rapidement, pour qu'on ait critiqué souvent parce que toujours dit que moi trop long. Je vais essayer une présentation extrêmement rapide et simple matin. Et côté Bralguin, pour moi partager avec nous, et qui côté nous y est, qui sa projet a est, et puis qui côté nous y est, et journée jeudi. Donc, dans la présentation, ça, je toujours dit ça de façon pédagogique, il y a plusieurs mots que je vais utiliser, que le journaliste n'est pas nécessairement familier avec eux, puisqu'en fait, c'est pas qui relevait plutôt du domaine de l'électrotechnique ou bien de l'électricité en général. Et avant que moi démarre la présentation, moi tiens à ce que moi présenter différents éléments. En fait, là nous parler de mettre courant la caille tout haïtien, il y a une façon que vous avez fait déjà et que nous allons continuer à faire, c'est mettre à travers le pays plusieurs réseaux électriques. Donc, là, nous dit réseau électrique, n'a pas eu de système électrique. Effectivement, c'est un système qui a plusieurs composantes là-dedans. Une des premières composantes que nous avons là, c'est composante et production, c'est côté que nous produit énergie, c'est ça, les centrales électriques. Là, quand nous avons ici, nous avons plusieurs centrales électriques, côté produit courant. Si nous prenons la plus grande centrale hydroélectrique, nous avons que tout le monde connaît, les centrales hydroélectriques de Belig, sont centrales qui produisent courant à partir de l'eau. Nous avons l'autre centrale dans le pays, dans la région métropolitaine, par exemple, centrale Vareux, centrale Carrefour et centrale e-power. Donc, tout côté ça, c'est centrale électrique, c'est centre de production, c'est côté courant produit. Malheureusement, nous faisons produire courant ça, ce n'est pas forcément. Mon priorité exactement côté mon centrale là. Mon dieu doit arrêter très loin centrale là. C'était KPIA, les ont fait pays dans années 70, les travail inaugurent pas des centrales hydroélectriques là, en fait fonction électricité dans la centrale là. Eh bien, centrale ça a une capacité 54 MW, mais zone n'a pas de demande ça dans moment ça. Donc énergie qui était produit pays d'Iglan, était supposé, était obligé venir avec dans la région métropolitaine là, côté de mode d'entrée. Donc nous prenons un deuxième aspect de la question qui c'est transmission. Donc l'offre de transport est courant pour nous arriver avec lui dans la région métropolitaine là, faut faire arriver la Caïmounio. Pour faire arriver avec la Caïmounio, on troisième composante qu'on va ajouter que relais distribution. Donc, qui fait que en dans le réseau électrique, là, il y a trois composantes. Il y a une composante, une première composante qui c'est production, produit courant. Mon deuxième composante qui c'est composante transport, moi transporte courant à travers des petits transports, moi gros pylône, moi câble, moi transformateur. Et puis, mon troisième composante qui c'est distribuer courant, rassurer que courant arrive la Caïmounio. Donc, gain et en pile par en pile café Kounia qui même ajoute une quatrième composante qui c'est commercialisation. Donc, chaque temps balé de distribution, mettez dans tête nous que commercialisation en donne tous les temps balé de trois composantes au lieu de quatre composantes. Maintenant, sous un pays, et en fait, si pour l'énergie en général, au sens large, nous connaissons c'est pas l'électricité qui dominait consommation d'énergie dans le pays.
consommation énergie dans pays hein, nous avons graphe là. Donc ou gagner une consommation et qui basé effectivement sous énergie qu'on gagne dans fait charbon, énergie ou gagne et bois de feu. Donc c'est bois de feu et charbon qui représente à peu près 78% énergie nous consommer. Reste là, tout le monde capable comprendre ça, tout le monde grand pile machine cap déplacer dans pays, et bien, toute machine ça y a déplacé à partir de produits pétroliers et produits pétroliers utilisés pour faire courant tout. Donc nous voyons 21% qui c'est produits pétroliers. Il y a 30% seulement qui c'est l'électricité. L'électricité même ça n'a pas extrêmement important dans la vie au monde, mais regardez bilan consommation paysan, majorité énergie nous utilisée dans pays c'est pas courant lié. Premier c'est biomasse, ça n'est en fait en particulier bois de feu, énergie bois et charbon de bois et produits pétroliers et électricité. Maintenant, nous allons passer rapidement dans l'importance de l'électricité. Donc, ma brave, son rappel, en fait, tout le monde connaît les affaires courantes, sont des affaires qui sont extrêmement importantes pour le développement humain. D'ailleurs, et tout le monde qui vit a le droit pour y accéder à un courant qui est abordable, qui est fiable et qui est durable. Et question durabilité est extrêmement importante. Faut l'État rassure que la politique publique a mis en place, il met une politique publique pour le rendre que le courant pas là pour aujourd'hui, mais courant là pour tout temps. Et les nous a mis le courant ça en place, il faut nous rassurer que la génération pour venir nous protéger. Tout. Les petits protéger la génération qui venir, ça veut dire que le courant va mettre la pour utiliser les ressources, on va assurer que bien gérer les ressources pour la génération future, là, même il n'y a pas de problème en termes de carence de ressources. Ça fait nous dire que nous allons diversifier la matrice énergétique là, pour nous rassurer que nous posons des questions dans la matrice énergétique pays. Et tout le monde connaît par un courant sont vraiment handicap liés et pour développement que ce soit au grand santé tout le monde qui là qu'on vive qu'à côté c'est la tête grise d'ap capable alimenter ton caille dit qu'on voit qui problème li gen sur santé ti moun nan monsieur j'ai moi-même l'aime de ti moun après j'ai tête grise d'ap après un certain temps au four et doit nan néon ou effectivement que li grave parce qu'en fait et c'est pas grave en fait c'est pas qui a impact sur santé et nous connaît. Et qui est important, ça gagne une éducation parce qu'en fait, le fait qu'on n'a pas de courant, nous avons plusieurs de province côté de nous obligé depuis 6h, 7h, depuis le soleil là, comme c'est dans le soleil là où on étudie, depuis le soleil là couché, donc pas de possibilité de étudier. Et tout le monde connaît, c'est extrêmement important pour le soir, pour ne pas battre bientôt avant qu'on aller à l'école demain matin. Donc tout ça, nous, c'est un handicap majeur qui gagne dans la question ça. Maintenant, et en nous regardant le contexte régional, le contexte international là, les nous regardons le contexte international là, nous pas le pas seul pays qui a un problème courant. Dans le monde là, il y a 16% de la population mondiale là qui a le même problème avec nous, qui n'a pas de courant tout. Maintenant, l'autre, moi je dis que je vais regarder ce monde là, ensuite je vais faire un zoom pour nous regarder pour nous. Et la Kainou, en fait, comme dit la Kainou, dans la zone de New York, c'est la zone Caraïbe. Caraïbe a une population de 43 700 000 habitants. Dans 43 700 000 habitants, statistiquement, ça veut montrer que il y a 9 millions de personnes qui n'ont pas de courant dans la Caraïbe. Moi, je suis préoccupé, intéressé, pour me regarder, dans 9 millions de personnes qui n'ont pas de courant dans la Caraïbe, qui côté de ça oui. Là, nous regardons les chiffres de près. Nous voyons que dans 9 millions de personnes qui ont courant, 7 millions, c'est la Kainolie. Bon, je pense que son chiffre qui supposait préoccuper tout Haïtien, qui gagne pour dénominateur commun Haïti, parce que Haïti fait que même les Caraïbes font pile effort, pas capable d'arriver, dit que Caraïbes ont un gros taux d'électrification. Parce que, en fait, 9 millions, sur 9 millions de gens qui n'ont pas un courant, 7 millions sont dans la caille. Donc, ça montre qui ça? Ça montre que ça fait résoudre le problème courant, c'est bon problème. Son problème national, son problème qui supposé interpeller tout Haïtien, qui est dans le développement pays, parce que tout le monde connaît par les gens, pays est capable de développer si il n'y a pas d'énergie électrique là-dedans. Les gens qui ont regardé dans 7 millions de gens qui n'ont pas de courant, ils devraient regarder à travers le code. Ils disent qui compte les gens qui ont finalement qui n'ont pas de courant. Eh bien, le regard des codes électrification paysan, vous regardez pour vous, et sur 100 habitants qui ont en Haïti, c'est seulement 30 qui ont courant la caillou.
nous devons comprendre ce qui a passé par rapport à notre pays. Haïti, sous 100 haïtiens qui ont vu, c'est seulement 5 qui ont le courant, qui ont gardé courant passé la gaille, courant pour 2 heures, 3 heures, nous ne pouvons pas parler de courant 24 sur 24. Jamaïque, problème ça va poser dans le milieu rural. 100% Jamaïcain qui a fait le milieu rural, tout le courant la caillou. Voisin nous, la République Dominicaine, sous 100 habitants qui ont vu le milieu rural en République Dominicaine, 95 pas de problème courant, 95 gen courant la caillou. El Salvador, sous 100 habitants, c'est 10 seulement qui pas de courant, 90 gen courant la caillou. Donc, rapidement, à titre d'information, moun sa ka intéressé journalistes, la région métropolitaine est alimentée par 4 centrales. Ou bien, centrale Pélic, qui est la plus grosse centrale hydroélectrique dans le pays, ou bien qui produit 54 MW, ou bien Carrefour, centrale Carrefour qui est 2. Pas vrai? Nous sommes une nouvelle centrale Pétion Bolivar, Pétion Simon Bolivar qui est là. Il a totalisé 83.5 et ou bien Vareux 55. Ipawe, nous connaissons ça, c'est un producteur indépendant d'énergie, un IPP, j'ai dit le mot anglais, qui lui-même a un contrat d'achat d'énergie avec l'État haïtien. Donc nous, et là, faut résumé toute centrale Zayo, ou garder la majorité là-dedans. Alimenter région métropolitaine de Port-au-Prince avec 236 MW, bien dit, capacité installée. C'est très intéressant, c'est très important pour journalistes faire différence, pour la presse faire différence entre capacité installée et ça qui est disponible. Ça, l'aime dit capacité installée, nous prenons tout moteur qui est dans la zone, il y a capacité ça. Nous comptons tout moteur qui est en panne. Donc, l'autre est disponible, c'est pas qui est disponible, qui a marché Kounia qui est en panne. Donc, ça chiffre qui là, ce n'est pas puissance qui est disponible vraiment, c'est puissance qui est installée pour alimenter la région métropolitaine. Et nous, la ville de province, comme on a traité, la ville de province, donc toute ville de province qui est dans le pays, c'est 75 MW qui est installée pour toute ville. Nous faut comparer production d'énergie. Là, ce n'est pas puissance, c'est production d'énergie avec la République dominicaine. À une population égale, tout le monde est coublant extrêmement grave. Nous-mêmes, nous juste en bas, nous sommes dominicanis jusqu'à là. Donc, on prend consommation. Je parle de consommation d'énergie, qui c'est ça nourrir dans le langage physique, en fait, concept physique. On prend puissance dans le musée, pas durée qu'on utilise là, qui boit énergie. Le calcul de l'énergie, ouais, énergie dominicaine est presque 22 fois plus grande parce que l'énergie n'a pas consommé en Haïti. Donc, par rapport à ça, nous connaissons dans le pays, et il y a plusieurs institutions qui impliquées dans la gestion de l'énergie dans le pays, ou il y a un ministère des Travaux publics, c'est le ministère qui est en charge de gérer le secteur énergie, ou il y a un bureau des mines et de l'énergie, ou il y a l'électricité d'Haïti, qui est opérateur public chargé pour gérer, qui a géré la question de l'électricité dans le pays, le ministère de l'Environnement. Ministère du Commerce et de l'Industrie, ça c'est l'énergie en général, pas de l'électricité en particulier. Ou bien le comité interministériel pour l'aménagement du territoire, SIAT, et ou bien le centre de facilitation des investissements en Haïti. Et récemment créé l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie qui jouait un rôle d'arbitre entre les producteurs, qui sont pas producteurs publics ou bien producteurs privés en fait. Opérateur et consommateur lui-même qui prend le consommer produit ça, n'a pas essayé de garder et fait jouer l'habit entre tous les deux pour nous capables d'arbitrer secteur. Donc, et tout le monde, par rapport au problème qui vient là, tout le monde, il était nécessaire que vous réformez le système électrique là. Donc, tout le monde, à cause de problèmes d'accès extrêmement grave, il y a un pays à côté, il n'y a pas accès à courant, pas accès à courant. Donc, et gouvernement, précédent, tu prends 3 décrets et un décret ça a été créé autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Je vais aller rapidement sur lui parce que nous avons un journaliste qui n'est pas au courant de montage d'institutions à compter. Je vais rappeler rapidement que son institution qui est créée à partir du décret février 2016, donc nous avons une autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Son autorité qui est placée. Tant que par exemple Conatel, sous tutelle ministère et transport, ministère de la public, transport et communication. Et nous voyons la loi by autorité de régulation, c'est assurer aux promotions
développement du secteur énergétique par la régulation activité production, activité exploitation, activité transport, activité distribution et activité commercialisation de l'électricité sur tout territoire national. Qui côté, dans quel secteur d'intervention selon la loi que ANACIM a intervenu, donc ça me dit là, ce n'est pas mot par mot, c'est exactement le texte qui est tiré dans la loi. Il dit qu'ANACIM a intervenu, activité d'études, d'exploration, de construction, d'exploitation, de production, de transmission, de stockage, de distribution, d'importation, exportation, commercialisation et toute autre activité relative à l'électricité. On prend par exemple combustible fossile, énergie hydraulique, énergie nucléaire, énergie géothermique, solaire, éolienne, énergie non conventionnelle et toute forme future et présente d'énergie. Donc finalement, pour résumer, nous avons annoncé impliqué dans toute activité qui gagne par rapport, qui gagne rapport à l'énergie, que ce soit produit pétrolier, que ce soit énergie biomasse, que ce soit électricité. Et ANACIM gagne un conseil de direction qui prévoit par la loi, conseil de direction ça, une direction générale là-dedans, une direction administration et finances, une direction plan et programme, une direction normes et régulations, une direction ressources énergétiques, une direction électrification rurale et une direction pour produits pétroliers. Et dans un décret qui est publié sous secteur énergie, secteur énergie, et ça concerne l'existence en général, m'a oublié texte pour nous, texte a dit que l'exercice des activités dans le secteur de l'électricité est soumis à une autorisation délivrée par le régulateur, qui est la seule entité autorisée à délivrer un permis, quelle que soit la nature. Donc après que ANACIM filmé de sous pied, nous voyons quel que soit moun ou bien la partie d'entreprise qui t'a voulu fonctionner, qui t'a voulu faire centrale, distribuer et vendre courant dans le pays, la loi fait obligation pour contacter ANACIM, qui c'est autorité, qui c'est régulateur, et régulateur c'est seule institution qui est capable de délivrer ou. La loi dit que il est capable de une licence pour produire courant, une licence pour transporter courant et une licence pour distribuer courant. Comme ça tout, il y a bon droit pour exploiter une ressource qui existait, une ressource énergétique qui existait en particulier. Et comme ça tout, on doit faire, il y a droit pour ça, une concession de service public. Il dit que il y a bon concession pour capable opérer service dans l'État pendant une période de temps. Maintenant, par rapport à tout ça, nous disons là, tout le monde a une situation extrêmement grave. Le gouvernement Moïse a un plan qui est clair. Des grandes visions qui sont claires et vision ça simple. Tout le monde connaît déjà. Qui s'est fourni courant électrique 24 sur 24 à tout le monde à un coût qui est abordable. Donc, il y a des gens même qui parlent à travers le monde qui dit que on aura parlé d'accès universel à l'électricité. Donc, rassurez-vous que tout le monde a courant la caillou, tout le monde a courant dans la business pour yo. Faire business sur marché. Et tout pour nous parler de l'électricité, pas n'importe qui prix, c'est pas porter un courant qui a porté par exemple 2-3 dollars ou bien 1 dollar par kilowattheure, c'est porter un courant qui est disponible pour la population capable de créer richesse. Donc, nous bien expliquer, vision nous, c'est pour un courant disponible, puisque courant pas gratis, faut la population après, pas prêt pour lui payer pour courant ça que nous allons mettre disponible. Et nous dit que vision nous tout, c'est permettre nous mettre bon gens normes, efficacité énergétique pour nous capable permettre nous mieux gérer demande là. Parce que gon problématique à travers le monde, dit très bien qu'on mette courant, mais faut rassurer qu'on fait ça relé demand side management ou gérer demande là. On assure que moun yo utiliser courant pour ça fait besoin yo, mais yo utiliser moins énergie possible pour satisfaire même besoin. Donc, je ne dis pas que vous réduisez le confort. Le concept efficace énergétique, là, c'est que vous arrivez à faire tout ce que vous faites, vous faites avec moins d'énergie que possible. Il y a un exemple clair tout le monde, c'est l'éclairage. L'OTAN, l'aime des timoun, éclairage, c'est qu'on fait souvent avec une lampe à incandescence. C'est une lampe qui produit, qui est pour puissance 100 watts. Donc, en pile
ou t'as besoin pile courant faire la plan lui-même. Qu'on a tout le monde connaît, qu'on technologie LED qui permet tout peut-être, il y a des lampes qui vont presque mon meilleur éclairage, mais qui coûtait un dixième fois 100, qui 100, qui 10 watts, qui 9 watts. Donc, les gens n'ont pas parlé. Non seulement il faut produire courant, il faut rassurer qu'on va l'utiliser là tout, ou bien moins appareil énergivore que possible, ou orienter vers le domaine de ce d'annuler, appareil qui est efficient, appareil qui est efficace au niveau énergétique. Et nous dit que vision nous tout, ça soit extrêmement important pour tout le monde comprendre. Nous dit que, en nous détacher de matrice que nous avons, matrice que nous avons, par contre, si de ça, 80% énergie nous produit dans le pays, nous produit à partir de produits pétroliers, principalement diesel avec mazout. Or, nous ne produisons pas de bagage dans le pays. 20% c'est énergie renouvelable qui vient principalement de l'énergie hydroélectrique parce que nous avons plusieurs centrales hydroélectriques dans le pays. Quand la centrale Péliglan, qui est Pigoua, quand la centrale n'a préparé Kounia, qui est centrale Douette, quand la centrale Délusé, Lanjac, et Lanzac, qui est Montoui, quand la centrale Hydro, nous avons tout partout dans le pays. Alors, tout ensemble, il y a 20%. Donc, nous dit que il n'est pas intéressant pour nous payer diesel, pour nous consommer diesel comme ça, ni mazout. Donc, dit, en nous réduit dépendance. Ça, c'est un élément politique publique qui concerne l'énergie. Nous dit, nous avons une politique pour nous réduire dépendance sur l'énergie fossile. Nous, ce qui ça nous fait, nous dit que, en nous garder, en nous formant énergétique, côté d'utiliser l'énergie qui est propre, ça nous les énergies renouvelables. Et nous dit, matrice par nous, nous focus sur quatre types d'énergie. C'est l'énergie solaire, là, énergie vent, énergie nous joindre dans de l'eau et énergie biomasse, que ce soit déchets, que ce soit végétal ou bien déchets animal. Et programme électrification président, programme électrification gouvernement Moïseien, il y a trois axes là-dedans. Bon, gros premier axe qui c'est rénovation et extension ou bien interconnexion réseau régionaux. Et axe ça c'est concerne les zones urbaines et zones périurbaines. Pour expliquer qui ça lié, quel que soit moun qui connaît aller dans province ou bien qui Port-au-Prince, la Port-au-Prince, ou il y a plusieurs communes qui interconnectées, toutes communes ça yo alimentées, toutes communes ça yo formées, ça relé un réseau régional qui c'est plus gros réseau régional dans pays hein, qui c'est réseau régional Port-au-Prince là. Comme ça tout, dans chaque département yo, ou il y a l'autre réseau qui est interconnecté tout. Donc ou moun kal au Kay, la au Kay gen réseau, gros réseau régional, ou moun ki font rive Jacmel, la pour Jacmel gen réseau régional, ou font rive Latibonite, ou Latibonite gen plusieurs communes Latibonite qui sont réseau régional. Donc il fait qu'on gen plusieurs réseaux régionaux dans le pays. Une premier axe nous dit nous pral agrandir réseau ça, nous pral réparer pour nous mettre plus capacité de production là-dedans. Deuxième axe qui est important et qui nous développer aujourd'hui, nous dit que même les ou fin mettre réseau régional, tout le monde connaît réseau à Paris et tout partout dans le pays. Eh bien, nous disons que nous allons mettre focus sur ça, nous relais des mini réseaux intelligents. Et nous disons que tout mini réseau intelligent, ça, nous allons rassurer nous que nous utilisons l'énergie que nous gagnons disponible en d'un pays. Parce que nous ne voulons pas que réseau a, nous ne voulons pas utiliser, continuer à utiliser en pile, ressources que nous pas gagner, que nous pas produit en d'un pays. Et pour nous faire ça, nous dit que, comme par un cadre légal qui permet nous faire, nous développer micro-réseau, nous dit que nous avons adopté une méthode pour nous développer que une méthode de régulation et pas un contrat. Et même lorsqu'on fait deux axes, ça qui est un problème, c'est que pour atteindre le reste de la pas un choix. Puisque tout le monde n'est pas capable sur réseau. Tout le monde n'est pas capable ni sur petit réseau, ni sur grand réseau. Et bien, nous dit que pour nous apprendre le monde qui est dans la zone qui est éparpillé, parce que tout le monde est dans la province, qu'on est dans la province, ou alors ça a les sections communales. Sections communales, il y a plusieurs sections communales, il y a des gens par rapport à l'autre. Ou pas, capable de mettre un réseau là-dedans. Puisque tellement qu'il y a loin, quand vous avez mettre réseau, ça vraiment paraître exagéré par rapport à la solution qu'on voulait porter. Et ça fait nous dire que la zone ça, nous allons l'alimenter à travers un système solaire individuel et tout le monde connaît. Et le gouvernement a lancé un pilote dans le programme ça déjà. Juste pour nous comprendre que ça n'a pas parlé. Pays d'Haïti a 146 communes. Là, nous faisons étude montre nous, sous besoin d'alimenter toutes 146 communes pays à gagner. Et évidemment, tout le monde demande sur va augmenter avec le temps. Demande de gagner aujourd'hui, ce n'est pas l'objet en 2022, et pas l'objet en 2027, et pas l'objet en 2050.
Donc demande ça va cap augmenter à chaque fois qu'on a un nouveau business cap créé ou gagne moun cap fait. Dans 2-3 ans, nous prévoir calcul montrer que demande ça a entre 700 et 800 mégawatts. Mes amis, nous toujours appris, nous toujours souri les moins gagne moun qui pensait que avec courant c'est l'impossible sont agile. Moi-même j'ai visité Taïwan récemment. Taïwan Kounia a construit 4000 MW. Voisin République Dominicaine, il y a 3500 MW. Et il y a presque 1000 MW qui ne font rien. C'est la différence entre production et consommation. Donc, ça dit que nous n'avons pas les deux pays Kounia là, à l'instant T Kounia, qui ont besoin à peu près 800 MW pour alimenter. Donc, vraiment, son bagage qui pas, le regard au niveau technique qui est très très possible. Et ça que belle là, c'est que l'on nous regarde maintenant, d'extrêmement important, nous dit que nous allons orienter centrale nous vers la diversifier la matrice énergétique. Nous, on a un gars qui est potentiel pays à gagner. Nous, son pays qui ont un potentiel solaire extraordinaire. Regardez ce couple là, on pourrait presque tout côté orange foncé. Côté orange foncé, orange, c'est côté. Ou un potentiel solaire extraordinaire. Quand on a une zone qui est bleue, qui n'a pas un petit jambral bleu jaune, c'est côté pas tellement. Il est très bon, mais il pas performant. Donc, ou c'est dans une zone grandance, tout le monde connaît une grandance, c'est côté soleil n'a pas arrivé sous caillou, il est chargé, son zone qui est boisée. Donc, si vous prenez une grandance, ou retirez une grandance, malgré que vous toujours une zone qui est capable de mettre solaire, nous voyons ça les IWA. Mais on voit que tout pays a une ressource extraordinaire en matière d'énergie solaire. Quand on prend vent lui-même, même bagala. Il y a plusieurs zones dans le pays. Hein? Toutes zones qui sont foncées, toutes zones qui sont même couleur, on a parlé tout à l'heure. Ces zones qui sont mettre énergie éolienne. Donc, où est le potentiel éolien pays a extraordinaire. Et, regardez tout potentiel dans le pays, hein? Sans que je ne parle pas dans le détail, on fait tout calcul. On prend biomasse, on prend éolienne. Ou prend soleil là, ou prend hydro, ou dépasser, ou dans plus de 700 MW. Et tout le monde est à l'âme dit que, ou besoin de 700 MW pour alimenter le pays. Ça veut dire que ça, le pays a des potentiels pour être capable de gérer les affaires courantes si nous utilisons l'énergie qui est dans le pays. Maintenant, on a passé rapidement sur action parce que l'important, si nous venons parler de micro-réseau, on a passé rapidement sur action. Nous avons dit axe 1, c'est réseau régional. Donc rapidement, tout le monde connaît réseau régional, où il y a plusieurs. Et communes ou bien plusieurs départements concernés, ou bien réseau la Tibonite 40 MW, ou bien réseau zone métropolitaine, tout le monde dit plus gros 400 MW, ou bien centre, ou bien petit Guave, ou bien sud, ou bien Grandance, ou bien port de paix, ou bien nord-est, et ou bien Cap-Haïtien. Maintenant, sud-est. Et l'on estime pour tout réseau régional, on a besoin d'un qui simple qui fait 565 MW. Maintenant, mon graphe qui est intéressant, graphe ça montre comment le pays a plusieurs réseaux là-dedans, et tout le monde a un réseau ça où, et qui là. Donc, ou a plusieurs réseaux régionaux, c'est une des dix qui c'est le premier axe gouvernement qui s'est réparé ou rénové, rassuré qu'on a alimenté 24 sur 24. Et deuxième, et réseau régional ça va diviser en deux groupes, ou bien zone métropolitaine agrandie, qui s'est alimenté les Ougana Akaye, et ou bien groupe 2 qui a tout réseau, nous t'ai parlé tout à l'heure. Et réseau. Régionaux ça est extrêmement important pour le marché. Mon qui focus pour nous là, c'est que tout réseau ça va couvrir 84 communes. Pas oublier pays a 146 communes. Tout réseau régionaux déjà couvrir 84 communes. Maintenant, réseau régionaux et ça est important pour tout le monde comprendre comment ça c'est ça les politiques énergétiques gouvernement adopté. Pour réseau régionaux métropolitain, opérateurs privés. Après faire production ou bien distribution commercialisation. C'est important, puisqu'en fait, avant tout, nous connaissons et des opérateurs publics et qui ont gagné rôle la loi de Bali pour te vendre courant en un pays. Kounia, décret à permettre, quel que soit entrepreneur qui est intéressé à les affaires courantes, ou qui travaille avec un AC pour produire courant, pour transporter les pouvoirs. Et groupe 2 à lui-même, groupe 2 à qui c'est. Qui c'est l'autre groupe nous t'a parlé, l'autre 8 régions nous t'a parlé eux même opérateur qui pral gagner pour l'opérer réseau régional ça yo yo pral gagner pour eux même faire un contrat avec l'État qui va prendre plusieurs formes et yo pral gagner pour yo
produits courants dans la zone où nous avons parlé, passer sous réseau EDH là, à travers un contrat avec EDH et arriver à vendre courant. Autrement dit, il y a pas le producteur et aussi il y a le monde qui a distribué et qui a vendu courant. Et pour nous dire pour première étape ça, il est important pour tout le monde comprendre qui est le gouvernement. Le gouvernement déjà lancé déjà appel d'offres pour réseau régional. Et dans l'appel d'offres, ça nous a lancé. Il y a plusieurs compagnies déjà qui préqualifiées pour capable venir aider nous faire investissement en dans le secteur énergie. Donc là, la plus grosse nouvelle, c'est, et tout que nous sommes capables d'annoncer, c'est que dans l'appel d'offres, ça de construction un gros tonton centrale thermique qui sont centrales de 300 MW qui pral fonctionner avec gaz naturel et tout le monde connaît c'est dans la zone La Fito, dans la zone Saint-Christophe, bien commune Cabaret, que gros tonton centrale ça pral mettre li. Et centrale ça nous déjà fait appel d'offres déjà et pour production et nous gagne plusieurs et compagnies qui préqualifiées pour ça fait. Bon, gaz naturel, pourquoi? Donc là, c'est pas une technique pour avancer sur lui rapidement. Zone métropolitaine et centre réseau, qui ça a fait Kounia? On a réhabilité ligne Belliglan, tout le monde ligne Belligdelma. On a construit de nouvelles lignes de transport 115 et 69 kV. On a construit de nouvelles sous-stations. Plan gain pour réhabiliter en pile sous-station et poste de transformation. Plan gain pour créer un nouveau dispatching. Dispatching, c'est lui-même qui assure le contrôle. Ça fait énergie. En fait, là, je dis contrôle là. Si besoin, rassure que je communique avec plusieurs points qui distribuent courant avec dispatching. Pour qu'on puisse commencer de contrôle de l'énergie électrique dans le pays. Et ma préhabilité, ligne moyenne, tension, basse tension. Qui modèle d'affaires l'État va mettre en place? L'État met des sociétés anonymes comme partenariat. Concession sur 15 à 20 ans comme politique et contrat de gestion. Et réseau régional, j'aime t'expliquer tout à l'heure, dans ton appel d'offres qui fait sur 84 communes, appel après qualification, nous avons 36 candidats et 26 firmes qui présélectionnées par l'ANAC pour deuxième et tour. Là. Et nous avons 21 firmes et pour 8 régions, sauf région métropolitaine. Et pour réseau métropolitain, nous avons 10 firmes uniquement pour composantes production, pour tout le monde comprendre ça, parce que nous avons dit qu'il y a plusieurs composantes en dans le réseau, nous avons 10 firmes qui préqualifiées pour production, qui parlent en compétition, sous centrale, nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons 7 firmes qui intéressent à tous les composantes, qui intéressent non seulement produits, qui intéressent à 20 courants, tout, et nous avons 2 firmes seulement qui intéressent seulement à composantes distribution et production. Maintenant, maman question, hein, tout le monde doit poser, et avec raison, qui côté nous pouvons jouer une COP pour nous préparer le réseau pour nous capable mettre centrale 300 MW que nous avons parlé à là. Je crois qu'il était annoncé déjà sur le journal, je vais prendre pour moun. Te gen discussion qu'a fait gouvernement Moïse en fait avec gouvernement Taïwan sous comment nous capable financer réseau métropolitain. Eh ben bonne nouvelle que m'a annoncé c'est que discussion ça est fini et que ces processus administratifs qu'a fait dans l'État pour permettre que COP ça vienne disponible, c'est un montant que me confirmé de 150 millions de dollars qui sera disponible pour capable mettre en place toute infrastructure nécessaire pour nous faire centrale, pour nous faire centrale 300 MW là et pour nous créer 51 micro-réseaux en dans pays, à l'aide du micro-réseau pour nous créer infrastructure de distribution et infrastructure de distribution, que ce soit moyenne tension, que ce soit basse tension. Donc, parce que nous connaissons, c'est un problème que tout le monde a parlé et de lui. Donc, tout étude fini, étude pour nous mettre ligne, yo fini, étude pour nous rénover sous-station, yo fini. Donc, nous allons passer à la phase qui est importante en pile, qui est la phase de mise en œuvre. Et là, l'État haïtien, effectivement, est en train de suivre, de remplir toutes conditions que la loi a demandé pour ça. Comment ça a supposé fait et ça information technique importante c'est que 150 millions de dollars ça pral gagner pour préparer réseau réparer réseau métropolitain parce que automatiquement vous augmentez demande là faut refaire ligne parce que faut porter énergie à la caille mounio faut refaire ligne faut refaire plusieurs et points d'échange en dedans et plan
Et puis axe 2 a, nous allons rapidement sur lui, c'est axe micro réseau a touché 64 communes. Donc tout le monde, ouais. Moi c'est un problème qui est très important parce que je suis réseau de près pour tout le monde comprendre le message aujourd'hui. C'est que toute commune dans le pays a bien réseau là-dedans. Tu as parlé de 84 communes qui ont bien gros réseau, résumer les réseaux régionaux. Nous avons parlé de 64 communes qui ont bien petit réseau là-dedans. Le 64, tout le monde voit que 62 communes, 62 communes plus 84 communes, tout le monde voit 146 communes. Toutes les communes dans le pays ont bien réseau. Il y a bien gros réseau, il y a bien petit réseau. Et c'est petit réseau ça où que nous avons des mini-réseaux. Et nous avons 8 villes dans le pays, mini réseau, c'est pas qui nous voulons dans le pays. C'est ça que l'aime de nous dit que c'est impossible pour mettre des mini réseaux dans le pays. On dit j'en souris, puisque le pays a des mini réseaux qui ont marché déjà, côté monde qui est courant. Ou bien 8 mini réseaux qui ont marché, qui dans 8 centres villes, ou bien un mini réseau qui marche, ou bien les Iwa, ou bien les Anglais, ou bien Koto, ou bien Washabato, ou bien Port Rapidement, ou bien Mol Saint-Nicolas, ou bien Bombardo Police et ou bien Jean Rabel. Faut tout le monde bien comprendre, on parle de 8 mini réseaux. On va dire que il y a 8 communes dans le pays à gain courant, on dit qu'il y a 8 communes côté gain micro réseau. Donc il y a l'autre commune différente, il y a même un gros réseau. Donc comme c'est mini réseau, on parle, uniquement de 8 là. Ou bien 3 mini réseaux qui a construit dans pas la voilà là. On qui c'est du nord après que réseau a déjà une production disponible qui est du nord et après que le problème compteur pour alimenter mon rapidement. Parce que ce n'est pas un bail courant, mais c'est un métier disponible pour les gens qui payent pour lui. Ou bien un petit bureau qui est en construction et ou bien dondon. Et ça veut dire que l'État a 51 micro-réseaux pour le construire et à travers les 10 départements et du pays. Donc, je vais passer rapidement. Ça, c'est des graphes techniques qui montrent au côté réseau Savoie-Allier, tout est tout en fait. Qui montre combien qui longueur ligne a bien que soit ligne que soit que qui longueur ligne réseau a bien. Donc ça c'est l'étude préliminaire nous qu'a passé rapidement et sous yo. Ensuite ça qui intéresse c'est tout le monde c'est qui montant comment on a mettre mini réseau en place mini réseau yo simple nous t'ai fait présentation de Montana et me remercier membre la presse qui vient couvrir événement nous t'ai ouais que réseau ça va mettre en place à travers des contrats. Ça nous est le langage français des concessions de services publics. Concessions, ça va être fait entre développeurs, qui sont comme là, et ministères là. Et ensuite, comme nous connaissons, on va mettre un mini réseau, c'est en dedans, en localité, en municipalité, on va mettre. Nous te prenons à cœur que mairie a intégré structure de gouvernance. Et ça fait, nous faisons deux bagailles, nous faisons deux outils légaux. Les premiers outils qui sont contrats entre régulateurs, entre développeurs, qui sont comme là, et TPTC qui représente l'État en dans contrat. Et deuxième, c'était un mémorandum d'understanding, un contrat, un protocole d'accord qui impliquait trois personnes là-dedans, qui sont développeurs, qui sont municipalités et qui sont ministères. Et comment ça va le faire pour tout le monde comprendre? L'État a venu, l'État a conçu réseau. Je vais t'expliquer tout à l'heure, déjà, un montant qui est disponible en dans Fontaine pour nous faire ça. L'État va venir mettre réseau en place. Construire réseau et privé par le comme lui-même pour le produit courant et puis pour le vendre courant. Et nous tout réseau ça a fait, tout mini réseau ça a fait à partir de l'énergie qui propre, solaire, photovoltaïque, hydro, biomasse et éolien. Et commercialisation a fait à partir des compteurs qui sont extrêmement performants, que nous avons les compteurs intelligents qui permettent tout même ou capable de payer avant ou bien ou capable payer avant pour courant. Et ça sont pas, nous, bon, ça sont pas des techniques qui montrent que prix très très bas, l'obralé de l'énergie ou nouvelle pour nous à travers le monde. Nous allons aller rapidement, mais avancer. Mini réseau, production, producteur, opérateur privé. Réseau distribution, moyenne et basse tension, c'est le gouvernement qui va mettre ça en place. Et raccordement, c'est opérateur privé, développeur qui a fait. Donc, ça qui est intéressant pour nous dire, c'est que tout investissement public qui est fait en infrastructure, pour nous mettre fil, poteau et transformateur, pour nous mettre courant. Et privé à lui-même pour le travail sous et production. Pour nous finir rapidement, micro réseau, nous faut appel d'offre déjà, et l'important pour nous comme ça, c'est pas qui vous dit qui pas commencé, nous commencer, nous commencer déjà. Appel d'offre la fête pour 51 communes. T'as 42 compagnies qui te soumettent offre dans l'appel d'offre ça. Et il y a 21 films qui préqualifiés pour production avec distribution et infrastructure, ça veut dire des investissements pour l'État fait,
Nous disons à l'État, a bien pour le fonds investissement de 30 à 35 millions de dollars. Parce que l'État, ce n'est pas lui qui a mis central là. L'État met le réseau pour opérateur passer sur le réseau pour l'alimenter. Donc l'important, important, et là, je ne vais pas prix génération, puisque je vais faire le d'offre. Tout le monde qui a fait le d'offre sur la compétition, je ne vais pas prix génération. Et troisième axe qui est dans le programme gouvernement, même si on met deux axes, qui est chargé de gens qui vivent dans la section communale, les gens qui par les gens qu'on a alimenté, pour alimenter, il faut alimenter à partir du programme qui n'est pas éclairé. Et c'est ça nous le programme d'électrification hors réseau dans l'habitat dispersé. Et nous avons utilisé l'énergie solaire pour nous faire la 100% et le modèle partenariat même bagaille, nous travaillons avec privé pour nous faire courant ça, rivé Kaimoun. Et nous avons fait un pilote déjà qui a touché 10 500 familles tout partout dans le pays. Donc nous sommes capables de regarder sur l'image comment nous avons première fois été content, nous avons été éclairé dans quatre programmes qui n'ont pas éclairé le gouvernement, été fait en dedans et pays. Donc moi-même, je conclue ce bail qui est très simple pour nous dire que eh ben, Haïti, tout le monde est là, Haïti nous voulait. Il n'est pas capable de faire sans pas un courant 24 sur 24 tout partout dans le pays. Merci. Merci, éloge mille fois au courage de Métropole. Monsieur Calixte, pas que l'entendre de cela, m'a assisté en conférence et c'était également pareil, présentation technique. Mais madame, d'après mon dit, nous, président, après le fait une promesse courant 24 sur 24 dans 24 mois, je dis à y a un pile mois qui déjà passé. Est-ce que l'échéance l'a respecté? C'est la première question pour vous. Est-ce que tout le bagage va aller bien vers la réalisation du projet ça? C'est que des contraintes qui s'ayouillent et comment nous entendons parler avec? Merci beaucoup. Et merci pour question. Sur question que même étudiant, que ce soit étudiant de la faculté des sciences, étudiant de l'université qui est à côté d'avancer, cours réseau et toujours à poser. Et moi, je pense que question sur question et qui simple. Et effectivement, et président paysan t'a annoncé que l'Ibral travaille d'arrache-pied pour lui mettre courant 24 sur 24 dans le pays. Et moi, je pensais que c'était une déclaration qui n'était pas pour parler, mais c'est une déclaration qui montrait à clair volonté et président gagné pour lui mettre et courant dans le pays. Et là, je pensais que on s'est expliqué clair comment courant après le fait, après le mettre. Effectivement, depuis mon échéancier, et il y a plusieurs raisons qui ont fait que l'échéance n'est pas respectée. Et il y a plusieurs raisons techniques qui sont capables de faire ça. Et une raison, c'est que tout le monde doit comprendre que dans la fin année, ça nous charger et problèmes qui fait, qui sont imprévus, qui sont capables de faire un décalage et en dedans et calendrier. Donc, on veut tout le monde comprendre que le gouvernement Moïse Lafontaine, c'est le président de la République, a un mandat. Et mandat là, c'est son mandat 5 ans lié. Et moi-même, comme technicien qui est là pour faire atterrir vision président, qui est directeur général de l'ANACE, ANACE, son institution indépendante, républicaine, qui supposait là, quel que soit président qui gagne dans le pays, puisque son institution que loi dans le pays a créé. Donc par conséquent, moi-même, qui est directeur général de l'ANACE, tout autant là, m'a pris pour me travailler pour m'assurer que gain courant 24 sur 24 dans le pays. Et ça, m'a tout comprendre techniquement. Ça fait courant, pas à faire 2 ans, ni pas à faire 3 ans, ni pas à faire 4 ans, ni pas à faire 5 ans, ni pas à faire 6 ans. Taïwan, gain courant 24 sur 24 jodi a. Pendant m'a pas la voilà là, Taïwan a travaillé pour mettre 4000 MW sur réseau là. Pour qui ça? Parce que on prévoit en 2022 pour aller plus business dans le pays Taïwan, pour aller population va l'augmenter. Donc, si on va mettre courant, à bien blackout. Donc, ça veut dire, pendant que vous me présentez là, qui c'est la première phase là, même si vous faites, pendant que vous faites la première phase là, ou tout de suite, vous supposez commencer à travailler sur la deuxième phase là. Parce que la première phase là, son phase de 800 MW, vous avez battu là, nous ne faisons rien, vous mettez courant dans plusieurs villes, vous créez business, vous créez business, vous faites business, et automatiquement, demande là augmenter dans un même. Donc, il faut que gouvernement cap vini hein, réfléchit en pile pour le rassurer que il toujours ajouter mégawatt sur réseau pour toujours gagner. Ça sont question technique lié. M'dame maintenant tout moi j'ai plusieurs monde qui ont posé une question. Est-ce que l'on fait mettre courant ça veut dire fini? Non, réponse c'est non. Tout temps Haïti existait, on toujours travailler mettre courant. Président pas 2022 pas pour le travail pour continuer avec programme courant puisque pas une nouvelle demande pour satisfaire. Président 2027 là, pour aller faire le même bagage. Président 2032 là, pour aller faire le même bagage. Donc finalement, même si on a pris 2050,
moun k'ap gen responsabilité pou peyi an ap gen pou le prendre décision pou courant toujours rete et nan peyi an. Rapidement, merci Canal 11. Et bonsoir, Flore Grandet, Canal 11. Question par maintenant, c'est et vu la situation économique, là, qui mesure qui met en place pour les gens qui sont plus défavorisés ou qui ont pouvoir d'achat? Merci. Bon, et effectivement, on va parler de ça. Et en termes de mesures, en termes de politique énergétique du gouvernement, et nous pensons que nous travaillons sur plusieurs tarifs. Et il y a un tarif, les tarifs sociaux, solidaires, sont tarifs qui permettent et moun ki pa kanpil revenu an dan peyi an consommer et kilowattheure avec un prix qui pi bon marché par rapport avec moun ki ta gen un revenu beaucoup plus et intéressant. Et pa oublier tout nous dit que nan puis avec 51 micro réseaux sa yo dans toute zone dans toute région dans peyi an, nous bay 51 micro réseaux pour le fait yo 51 micro réseaux sa yo nous pas faire seulement pour moun charger téléphone avec pour moun a jouer match football, nous voulons porter courant pour nous créer business. Côté gain pistache, rêve nous c'est moun ta fait mamba pour valoriser li, côté gain tomate, pour moun ta fait pas de tomate. Tout côté gain poisson que moun yo conserve poisson. Donc les porter courant, nous porter courant tout pour nous rassurer que courant ça, moun yo va faire business avec yo et c'est comme moun yo va générer. Moun yo là moun a générer comme tout moun ça, on va faire comme automatiquement on a fait comme moun a capable payer courant. Donc courant pas gratuit si chéri. Son courant a travaillé sur lui, n'a pas ni disponible. Nous rappelons tout le monde que courant faut au pays. Donc, pour nous répondre à une question claire, système nous est a il y a un problème. Parce que des tarifications IDH là, tout le monde a subventionné par l'État, ce qui n'est pas normal. Moi-même, par exemple, je paye courant, or l'État vous partit dans le courant le pays. Puisque en fait, il y a compris sous, entre 0 et 30 kWh de consommation. Nous dit que nous-mêmes, nous prenons l'assurer nous que. Moun ki ka paye courant, yo pa subventionné, yo paye courant tout bon. C'est moun ki pa ka paye courant, nou pral fè subvention ciblée à travers un programme que nous les tarifs sociaux solidaires que nous mettons en place pour nous rassurer. Nous n'avons pas de moun vraiment qui pa gen moyen parce qu'il y a plusieurs côtés. Moun yo pa gen moyen, moi même dans l'université, les mal mesurer consommation la kay moun sa yo, qui côté moi pile kilowattheure. Moun y a glacé Gina, y a glacé Tambiko, y a fait glace. Et au Dieu va payer. Tout le monde connaît, côté gain consommation, ça son coupe qui clair lié, gain revenu, consommation va marquer pas marcher sans revenu. Et ça que nous dit que dans politique n'a pas gain pour tarif là, n'a rassurer nous que nous limiter consommation, n'a bail un tarif spécial pour vraiment dans intervalle côté penser qui raisonnable que moun yo capable consommer. Tout le monde qui serré, petit frigidaire la caillou, cap consommer. Et bien, tout le monde a bien pour payer courant. Parce que si vous avez frigide et vous faites business, ça veut dire générer quoi comme ça pour payer courant avec. Et nous avons plusieurs. Peut-être entrepreneurs qui sont en Californie, l'IGE ne doit pas suivre de près. Nous avons plusieurs membres de la diaspora qui déjà sont intéressés et investis dans la question de l'énergie dans le pays. Dans le premier appel d'offres nous avons fait sur mini-réseau, nous avons plusieurs entreprises, c'est entreprises dans la diaspora. Dans le deuxième appel d'offres, nous faisons sous gros tonton réseau, ça nous les réseaux régionales là. Nous venons plusieurs, et moun qui sont tout, nous venons plusieurs moun qui appliquent, c'est moun qui déjà dans la diaspora. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire énergie électrique dans le pays, ouvri, net, quel que soit moun qui vit, quel que soit moun qui vle, il doit contacter ANRC, il doit aller sur le site nous en tout, qui c'est ANRC, ANARSE.gouv.ht. Pour être capable de gagner toutes les dernières informations. Donc, secteur a ouvert, nous avons tout investisseur, et c'est ça qui fait la différence pour tout le monde qui a bien compris. Ce n'est pas l'État qui va faire tout investissement. L'État fait investissement stratégique dans le réseau. Rassurez-moi que je mette route pour courant passer. Courant passer sur une route que je mette route de transport là. Et privé, il va le jouer lui-même, aider l'État, vivre avec investissement privé. Fait comme non, ça fait courant parce que il va le produire. Et libéral van courant tout. Et la toute dernière question avec Caraïbes FM. Merci. Merci Lydia Alexandre de Radio Télévision Caraïbes. N'a reprendre question éloge t'ai posé hein, éloge Milfort. Est-ce qu'en thème clair pour un 24 sur 24 président t'ai parlé à échéance ça pas respecté. Deuxièmement, pour plus de précision, nos besoins qu'on est après 64 mini réseaux parlé en combien ménages qui bénéficient. Très bien. Et ma première question claire pour tout le monde qui comprend, moi dis que programme courant pas gain camper la donne.
Donc programme pour mettre courant 24 sur 24 dans le pays, son bagaille qui cap qui toujours qui sans respect pour camper. Donc son monde dit moi ça que étant donné pays était extrêmement grave dans avec courant, il y a plusieurs bagages à faire rapidement comme était après son question que me comprendre. Mais besoin tout le monde clair pour comprendre ça, ça fait mettre courant dans le pays, il pas gon date sous lui. Automatiquement quand on met courant dans le pays, on met à l'instant T demain matin que tout le monde va faire. Demain matin, les business qui ont créé, il faut qu'on toujours à la construction centrale pour mettre courant dans le pays. Mais tout le monde retire sa dette pour penser à faire courant. Ce n'est pas ce qu'on a fait dans 12 mois, ce n'est pas ce qu'on a fait dans 1 an, ce n'est pas ce qu'on a fait dans 15 ans, ce n'est pas ce qu'on a fait dans 16 ans. Mais ça, c'est clair. Pour comprendre, le gouvernement dit que comme ton électrification pays est extrêmement faible, et bien, il va faire une opération coûte moins pour garder pour eux, si tu as ajouté en pile mégawatts sur le réseau. C'est dans ce sens-là. Il va construire une centrale de 300 MW. Il va investir plus que 150 millions de dollars en dans réseau, que ce soit gros réseau, que ce soit petit réseau, pour permettre de nous alimenter. Donc, je ne sais pas si vous avez que l'arrivée dans une période X quelconque, vous va gagner courant et puis c'est fini par gagner café d'accord. Donc, moi, je pense que c'est clair dans tout le monde. Que ça fait courant, son bagage pour toujours. Et puis, ça se rapproche sur le projet aussi. Lorsqu'un projet a fait, projet a un cahier de l'échéancier. Ou bien plusieurs raisons techniques qui doivent mettre en dehors de l'échéancier. Ou bien plusieurs raisons qui vont sortir en dehors de l'échéancier. Moi, je ne sais pas si vous avez fait hypocrisie. Tout le monde a une difficulté difficultés dans le pays pour avancer. Par exemple, moi-même, songe que moi, dans cet appel d'offres, exactement avant et maintenant, plusieurs raisons font que je fais 3 semaines pour avancer. Moi, j'ai une réunion avec 2-3 experts banque mondiale, experts Caribbean Development Bank, qui ont un support technique. Tout le monde va rentrer. Donc, mais par exemple, il y a un inconvénient qui est clair, qui permet que, qui montre clairement nos échéanciers, qui ont plusieurs obstacles techniques qui ne peuvent pas faire. Moi, par exemple, Pélic, nous avons préparé une Pélic. Nous étions supposés finir avec réparation en novembre. Eh bien, réparation projet pour 6 mois. Parce que là nous arrivons dans la ligne qui passe en bataille, là nous arrivons dans la zone rivière grise, la pluie tombée, nous faisons plusieurs temps, nous ne sommes pas capables de fouiller pour nous passer câble en bas rivière là. Donc il y a plusieurs difficultés de site qui fait que l'offre projet, difficulté de site ça, qui peut pas payer ou non, qui fait que l'échéancier est capable de bouger. Moi je pense que c'est extrêmement important pour nous comprendre ça, mais ça pense que extrêmement important, moi je suis toujours à petit dans l'université, problème courant, pas de jambes, un problème technique. Il était un problème politique. Qu'on a l'éclair ou qu'on président ou qu'on gouvernement qui voulait mettre courant, technicien ou qui pour le travail, pour rassurer ou mettre bon jean blanc pour mettre courant dans le pays. Et me rappeler tout le monde, courant, c'est pour quoi camper. 2022, il faudra mettre courant. 2027, il faudra mettre courant. 2032, il faudra mettre courant. 2037, il faudra mettre courant. Ça fait courant. Ce n'est pas affaire au mandat présidentiel lié. Ça fait courant, c'est affaire Haïti. Tout le temps Haïti existait, technicien qui a toujours une responsabilité pour le travail, pour rassurer que la génération a un courant et la génération future a un courant tout 24 sur 24. Mais pour les ménages qui alimentent à travers 51 micro-réseaux pour mettre en place, c'est une très bonne question. Et tu préliminaire nous montrer que nous pourrons couvrir 80 000 ménages. Donc, 80 000 familles, effectivement, nous ne disons personne. Tout le monde connaît, statistiquement parlant, on a 4 à 5 ménages et 5 personnes par ménage. Donc, on a fait calcul là pour combien d'habitants. Mais là, 51 micros, on a mis dans 51 communes que nous avons montré sur le plan. Toutes 51 communes, ça a à peu près couvert 80 000 ménages. Et ça, c'était phase 1 projet.